Yé, pas tout le monde, bienvenue encore une fois dans la catégorie entreprendre. Je suis déterminée, j'essaie de comprendre. Voilà, entreprendre et comment est-ce que, quelle méthodologie je vais utiliser pour faire le choix de mon statut et de mon régime d'imposition. Voilà, on va se focaliser sur quelle méthodologie et stratégie on met en place au regard de notre projet. Est-ce qu'on y va plutôt par stratégie, qu'on va dire progressive ou pénétrante? Quand je dis progressive, c'est y aller par palier en fait. Et est-ce qu'on va écouter notre raison ou notre ambition? J'ai envie de dire, on va plutôt écouter en fait notre business plan et la finesse de notre business plan au regard de notre projet. Et en fonction de nos choix de statut et de régime d'imposition, qu'est-ce qui va nous rester? Voilà, c'est ça la raison à mon sens. Mais c'est un exercice très difficile. Donc pour approcher ce sujet et essayer de comprendre, en fait, moi je l'ai détaillé en trois parties. La première, en fait, c'est 1, j'essaie de comprendre en faisant le tour des statuts, avantages, inconvénients. Donc voilà, je regarde, j'identifie les leviers qui potentiellement pourraient jouer et influencer ma décision. 2, voilà, je confirme les leviers, comment? Bah déjà, je vais réaliser en fait un business plan prévisionnel au regard de mon projet. Je détaille mon projet, voilà, recettes, dépenses, etc. Donc ça, on le verra. Voilà, pour préciser un peu, est-ce que je vais plutôt être en chiffre d'affaires, en bénéfices? Est-ce que je vais avoir de la TVA? Ma TVA va-t-elle être importante, etc. si je fais du consulting notamment? Et voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir déduire? Et puis la troisième, c'est bien sûr, une fois que j'ai regardé un peu dans quelle case j'allais avoir, il y a un autre levier important qui va déterminer et confirmer si oui, vous serez en micro-entreprise, en EURL, en EURL ou en SASU, si vous êtes tout seul, je dis bien. Voilà, et ça, c'est votre situation personnelle. Votre situation personnelle va vous permettre d'appuyer votre choix. Voilà, pourquoi? Parce que vous allez regarder votre situation en N-2, en N-1 et en N, et je dirais même en N+1 et N+2, parce que si vous êtes marié et que vous avez des enfants, bien sûr, ça va jouer. Après, on verra qu'il y a plein d'autres choses qui vont jouer. Donc, allez, on arrive à notre première partie. J'ai dit, je fais le tour des statuts. Alors, je vous invite à aller voir mes autres castes là-dessus pour plus de détails, mais de manière général, voilà, la micro-entreprise et l'EURL où vous allez être au régime des travailleurs non salariés, l'EURL idem, et pour la SASU, vous serez président assimilé salarié. Donc déjà ça, vous, qu'est-ce que vous envisagez? Plutôt TNS ou plutôt travailleur salarié? Est-ce que vous pensez conserver votre activité salariée à côté, etc. Donc ça, je dirais, voilà, comment je choisis? Et avantages et inconvénients de certains statuts. Donc déjà le régime, salarié, non salarié. Après, moi, j'ai mis le niveau de responsabilité que vous voulez mettre en place. Micro-entreprise EURL, vous serez entrepreneur individuel, donc seul. Si vous êtes en EURL, vous serez gérant, mais vous pouvez limiter vos pouvoirs. Ça, faut faire attention. Après, dans la SASU, vous serez président. Donc, ce n'est pas la même chose. En plus de ça, vos modes de rémunération, est-ce que vous pensez et préférez vous rémunérer sur salaire ou sur dividende? Ou alors les deux même. De temps en temps salaire et de temps en temps dividende. Après, qu'est-ce qui va distinguer les autres? Ces formes sociétales. Micro-entreprise EIRL, pour moi, ben, c'est le RCS. Voilà, vous allez avoir un extrait K dans la micro et l'EIRL pour ouvrir votre compte bancaire professionnel. Dans l'EURL, vous aurez un extrait KBIS. Voilà, et pareil dans la SASU. Après, quel point important je pourrais vous mentionner? Ouais, les déductions d'impôts, bien sûr, votre mode de rémunération. Par exemple, en micro-entreprise et en EIRL, vous n'aurez pas de déduction possible pour le dirigeant, sauf s'il a pris l'option IS. Voilà. En EURL, pareil, pas de déduction, sauf si vous prenez l'IS. Par contre, pour la SASU, oui, vous aurez une déduction, sauf si vous avez opté pour l'IR. Donc voilà, ça c'est un point également important. Alors je dirais également après, donc ça on le fera après. Donc voilà, après, en termes de fiscalité, micro-entreprise, ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, vous aurez des déductions possibles, soit 50% ou 34%, c'est fonction de l'activité. Et donc voilà, il va falloir se poser la question d'évaluer le montant de vos frais réels pour savoir que, par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires dans le domaine activité, vente et services qui est, par exemple, vous avez 3 000 euros par mois. Eh ben, ces 3 000 euros par mois, en fait, vous aurez 1 500 euros de déduit. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'être en micro-entreprise ou plutôt en EIRL ou régime réel simplifié? Ça va être fonction de la partie 2, c'est-à-dire comment vous détaillez en fait vos dépenses, vos recettes, combien ça va vous coûter de créer votre entreprise. Donc, en fait, il faut faire un petit calcul. Voilà.
Allez, maintenant on passe à notre deuxième partie. Donc je vous ai dit, votre deuxième partie, elle a lieu en fait de préciser votre projet. Donc en fait, vos projets, ils peuvent aller dans tous les sens. Vous pouvez avoir une simple activité ou une multi-activité. Si vous êtes en multi-activité, forcément aussi, ça va conditionner votre activité. Plutôt micro, entreprise individuelle seule ou plutôt société. Alors, par exemple, si vous avez un projet de création de chaîne YouTube ou des blogs, et que c'est, enfin des activités, on va dire, e-business autour d'activités revenus publicitaires ou autres, bah, il va falloir regarder en fait le coût de votre immatriculation, enregistrement. Voilà, si vous êtes une entreprise individuelle, si vous êtes faites le choix d'opter pour une société, ce sera pas pareil. Mais sensiblement, de manière générale, je vais dire que pour rester très très large, parce que j'aime pas les chiffres, bah, ce sera en dessous de moins de 1000 euros. Et pareil pour la radiation, il y aura des coûts de radiation, donc ils sont pas très élevés, mais ils sont à considérer quand même. Après, si vous avez une chaîne YouTube, ça sous-entend que vous allez avoir des frais pour avoir un hébergeur potentiellement, ou quoique non, erreur de ma part, vous n'avez pas besoin d'hébergeur puisque YouTube héberge pour vous, donc ça, il n'y a pas. Par contre, vous allez avoir des coûts au regard de votre équipement informatique et des amortissements potentiellement à prévoir et à anticiper. Ça pourrait passer dans les frais réels. Est-ce que vous avez des coûts de logement aussi? Donc voilà, ça peut être l'achat d'un PC, ça peut être l'achat d'un smartphone, ça peut être l'achat d'une GoPro, je ne sais pas moi, en fonction de ce que vous avez besoin pour travailler, des micros, des trépieds, des logiciels de montage, vidéo, audio, etc. Pour travailler, vous pouvez avoir pour votre projet 1 et pour créer votre chaîne YouTube, pour fonctionner, vous avez besoin d'un espace pour travailler. Vous pouvez potentiellement utiliser votre logement. Donc combien vous allez pouvoir déduire, quel est le montant de votre logement, les coûts relatifs à l'électricité, les abonnements internet, la téléphonie, etc. Un logement, on pourrait estimer, je sais pas moi, 300 euros par mois que vous allez pouvoir déduire. L'électricité, va peut-être falloir compter 80 euros par mois, je n'en sais absolument rien. L'abonnement internet, ben voilà, vous êtes à la fibre, donc 150 euros par mois, etc., etc. Le PC, il vous coûtera 2000 à 3000 euros. Est-ce que vous l'amortissez sur et combien d'années? 2, 3 ans. Votre smartphone vous a coûté combien? 1000 euros, je sais pas. Votre GoPro, combien? 500 euros. Votre trépied, une centaine d'euros. Voilà, etc., etc. Donc, essayez d'évaluer en fait vos frais réels après. Potentiellement, pour faire marcher votre chaîne YouTube, il va vous falloir faire appel aussi peut-être à un tiers, hein, je sais pas, un avocat, un comptable. Est-ce que vous avez des contrats publicitaires à mettre en place, ou est-ce que ça se met en place de manière automatique et c'est Google et YouTube qui vous payent, ou est-ce que vous avez d'autres contrats publicitaires avec d'autres personnes? Quelle est la forme des contrats et qui c'est qui va les rédiger? Est-ce qu'ils sont tout clés en main et donc il n'y a pas besoin d'avocat, etc., etc. Donc voilà pour le projet 1 si vous créez une chaîne YouTube. Si vous créez un projet 2 par exemple autour d'activités de coaching, consulting, site web, etc., etc. Donc là vous allez donc peut-être mettre en place pour aller voir vos clients, bah vous aurez aussi peut-être une liste de frais réels à prévoir, on ne sait jamais. Il y aura des dépenses, il y aura plus de dépenses peut-être que de recettes, on ne sait pas. Déplacement, il va vous falloir votre voiture. Comment vous allez déduire vos frais kilométriques? Il y a des barèmes, je crois, annuels et chaque année. Vétusté de la voiture aussi. Donc là, il y a des amortissements à prévoir. Pareil, si vous avez des déplacements en avion, est-ce qu'on va vous prendre en charge le déplacement en totalité? Est-ce qu'on va vous prendre les frais d'hébergement, potentiellement les frais d'habillement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prônait l'environnement vert? Vous avez plutôt tendance à vous déplacer en vélo électrique? Quel crédit d'impôt? Qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire, etc., etc. Frais de fonctionnement. Vous avez mis en place votre activité de consulting ou de coaching à partir d'un site web. C'est ce qui vous permet d'être visible. Qui c'est qui vous a aidé à faire votre site web? Est-ce que vous avez payé notamment pour la création du site web? Est-ce que vous payez pour l'hébergeur, etc., etc.? Combien ça vous coûte l'hébergeur? On est plutôt de l'ordre de 20 euros par mois, ou vous stockez plutôt de la vidéo et des castes audio et donc du coup ça augmente. Il vous faut plus de capacité de stockage. Est-ce que vous êtes plus donc à 20 euros par mois, à 200 euros ou à plus en fonction de ce que vous avez pris, les noms de domaine, le flux? Est-ce que votre page web, votre site web, il va mouliner ou pas? Est-ce qu'on vous met en place la maintenance, etc., etc.? Est-ce qu'on vous accompagne dans l'optimisation de votre référencement, de votre visibilité? Donc tout ça, ça va présupposer des frais listés. Après, si vous faites du coaching, du consulting, du site web,
Sur votre site web, est-ce que vous prévoyez de stocker des données personnelles? Là, faut faire attention, la CNIL, est-ce qu'il y a des frais? C'est juste la déclaration normalement, mais là, faut s'en assurer. Voilà, les données personnelles, mais par contre, est-ce qu'il y a des frais d'avocat et de tiers? Parce que par exemple, vous allez devoir rédiger peut-être des CGV, des CGU, des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente. Donc là, va falloir demander à un avocat de les faire, ou vous prenez le risque et la responsabilité de le faire vous-même. Comment vous vous couvrez en termes de risque? Est-ce que vous prenez une assurance complémentaire pour votre assurance maladie, pour votre protection professionnelle au vu de votre activité, etc., etc. Comment vous vous couvrez? Et donc, si vous avez besoin de faire appel à des tiers externes, avocats, experts comptables, etc., combien ça va vous en coûter et qu'est-ce que vous pouvez déduire? Voilà. Et ça, indirectement, une fois que vous avez fait toute votre sommation, vous allez voir, voilà, dans quel statut et régime d'imposition il convient de se placer. Après, il y a plein d'autres activités. Si vous êtes multi-activité et que vous êtes intéressé par la gestion de votre patrimoine personnel en compte propre, que vous êtes passionné d'activités de trading, vous pourriez envisager commencer à vous lancer, voilà, de façon peut-être dynamique. Et donc ça aussi, est-ce que vous restez en IR pour les opérations de trading? Ça va être fonction du volume de la plus-value. Ça va être fonction aussi des pertes que vous allez engager. Est-ce qu'il y aura des pertes, etc., etc. Donc est-ce que vous encadrez par un statut, vous basculez en société, vous restez en EIRL, vous vous mettez en SASU parce que ça vous semble favorable, vous pouvez vous payer en dividende ou en salaire, etc., etc. Donc voilà, c'est des choix personnels. Donc là, on pré-oriente et en 3, je vais finaliser comment j'oriente au final mon choix stratégique. Et bien, tout simplement en transposant mes projets professionnels à ma situation personnelle. Je regarde à N-2, donc je regarde dans mes rétros, voilà, et je regarde également en allumant mes phares bien devant ma voiture, je regarde en N, N plus 1 et N plus 2 comment ma situation va évoluer et comment en fait potentiellement je vais peut-être choisir de changer de stratégie, de statut et de régime d'imposition progressivement. Donc soit j'y vais progressif, soit j'y vais de façon pénétrante, je suis sûre de moi, je suis sûre de quel horizon de régime d'imposition, de statut, de chiffre d'affaires, de bénéfices et de frais réels je vais avoir. Donc je sais déjà dans quelle case je vais me mettre. Donc deux stratégies complètement différentes, je dirais l'une progressive plus sécurisée que l'autre. Et si vous y allez de manière progressive, vous allez être capable d'adapter votre situation, autant faut-il l'avoir anticipé pour être capable de réagir rapidement, parce que les démarches administratives souvent ralentissent. Allez, je vous invite avec moi à essayer de comprendre comment j'observe ma situation personnelle et comment ma situation personnelle peut influencer mon choix de statut et de régime d'imposition. Alors, dans cette situation personnelle, vous allez regarder déjà votre IR. C'est là où je vous demande de regarder votre IR. Quelles sont vos sources de revenus l'année étaient vos sources de revenus l'année N-2, l'année N-1, l'année N plus 1, l'année N plus 2. Combien de parts sociales avez-vous? En d'autres termes, est-ce que vous étiez salarié? Est-ce que vous êtes encore salarié? Est-ce que vous serez encore salarié? Vos revenus proviennent de quelles sources? Une activité salariée, une indemnisation ACEDIC, une indemnisation de type RSA, etc., etc. Quel est l'état de vos droits et comment vont évoluer vos droits? Est-ce qu'au regard de vos droits dans le cadre de la création d'une entreprise, vous pouvez avoir des abattements? Est-ce que vous pouvez avoir des facilités? Je pense à l'ACRE et à l'ARE et toute autre subvention ou contribution, on va dire institutionnelle, qui pourrait vous aider au démarrage. Donc déjà, c'est pas simple. Allez, on continue. Une fois que vous avez regardé ça, vous avez regardé vos revenus, votre imposition sur revenus. Vous allez regarder également d'autres éléments qui vous caractérisent. D'où proviennent également vos revenus? Revenus salaires ou revenus non salaires? Est-ce que c'est des revenus mobiliers? Quels sont-ils? Dans quoi vous les déclarez? Comment vous les déclarez? Comment vous les déduisez? Et est-ce qu'il existe des abattements possibles? Voilà. Est-ce que vous avez déjà mis en place des optimisations fiscales au regard de vos revenus mobiliers, etc., etc. Après, je regarde un autre point. Est-ce que j'ai reçu des revenus exceptionnels? On ne sait jamais. Vous avez peut-être eu des primes ou autres dans le cadre de votre activité salariée. Je ne sais pas. Vous avez peut-être eu et vous allez recevoir en fait des indemnisations préjudices dans le cadre d'un prud'homme et autres. Donc,
quoi où vous allez les déclarer et quel pourcentage vous allez pouvoir déduire. Est-ce que vous avez des facilités avec des quotients d'abattement, etc., etc. Allez voir mes castes là-dessus et autres. Après, est-ce que potentiellement vous avez des activités autour, par exemple, du financement participatif. Vous avez investi en phase d'amorçage dans des projets de création d'entreprise. Vous détenez des parts de holding. Voilà, en passant par un autre intermédiaire, une plateforme par laquelle vous êtes passé. Vous avez des plus-values, des royalties ou des moins-values, parce que c'est le cas le plus fréquent. Donc, comment vous faites pour déduire vos moins-values et qu'est-ce qui va vous rester à payer à la fin? Donc, une fois que vous avez regardé votre situation personnelle, vous revenez à votre situation professionnelle. Quels vont être dans les années N, N plus 1, N plus 2, mes revenus? Comment j'envisage mon business plan? Donc, si vous avez une chaîne YouTube, des blogs, ou voilà, vous allez avoir une rémunération par revenu publicitaire. Voilà, ciblé ou non ciblé, il faut les distinguer également. Quel va être le montant approximatif? Qu'est-ce que vous envisagez? Voilà, après, est-ce que vous allez avoir d'autres revenus? Par exemple, le revenu lié à votre activité coaching, consulting, là aussi, à combien il va s'élever, dans quelle case vous allez être? Et est-ce que vous allez être plutôt vous mettre en IR ou en IS au regard de votre situation personnelle antérieure et voilà comment elle va évoluer. Voilà, vous êtes peut-être marié, vous êtes tombé peut-être follement amoureux et vous envisagez d'avoir beaucoup de petits bouts. Je ne sais pas, je vous le souhaite, mais voilà, comment vous allez déduire votre part et à quelle tranche d'imposition à l'IR vous appartenez N-2, vous appartiendrez N-1, vous allez appartenir N et vous appartiendrez N plus 2 et N plus 1. Voilà. Waouh. Non, mais c'est, je vous assure, c'est vraiment très simple de créer une entreprise ou une société. Non, non, vraiment, tout est fait pour nous simplifier la tâche. 2 ans après, vous y êtes toujours. Et vous avez oublié un paramètre, et ce petit paramètre fait tout changer. Donc, je pense qu'en fait, il faut comprendre que c'est très difficile de faire rencontrer toutes les opportunités. Il y aura toujours des opportunités et des avantages. Et à un moment, faut se lancer, faut prendre ses responsabilités et va falloir payer. Voilà, parce que c'est comme ça si on s'est encore trompé. Voilà. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre. Allez, voilà. Et donc, ça, c'était votre situation personnelle. Et puis après, oui, j'oublie, par exemple, dans l'activité 3, votre projet 3, si vous envisagez être trader en compte propre et gérer vous-même votre patrimoine personnel, vous aurez des plus-values, je vous souhaite des plus-values explosives, telles une super licorne. Voilà, donc là il y aura des plus ou moins, des variables, et pareil, vous aurez des plus-values et des moins-values. Donc, comment et dans quelle case vous allez les mettre? Donc, hop, au regard de la complexité, je dirais, de votre situation, vous allez avoir une grande marmite, vous allez mélanger toute cette marmite et vous allez essayer de ressortir le ticket gagnant qui fera que normalement, voilà, vous ne subirez pas une pression fiscale, vous aurez fait les choses intelligemment, normalement personne ne devrait vous embêter. De ce fait, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre activité, voilà, vous passionner pour votre activité en délaissant de côté la gestion administrative et qualité parce que vous l'aurez réfléchi et que vous aurez pensé les bons automatismes avec ma grille d'audit, je fais quoi, quand, comment, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie. Voilà, et je gagne du temps. Je n'attends pas en fait de me laisser déborder pour me remettre à jour. Et je pense que tout ça devrait vous faire gagner du temps. Mais voilà, je pense que tout ça, pour le mettre en place, vous l'avez compris au vu de la longueur de la présentation de ce cast, ce n'est pas chose facile. Voilà, ce n'est vraiment pas chose facile. Dans vos frais réels, en fonction de votre activité, je dirais que ça aussi, c'est difficile à cibler. Est-ce que vous allez avoir besoin d'une voiture? Combien va être votre loyer? Le montant, en fait, des frais liés à l'électricité, l'habillement, les repas, le matériel informatique, les créations de sites web, la maintenance? Est-ce que vous allez faire beaucoup de déplacements et des voyages? Parce que ça aussi, ça fait monter la note rapidement. Est-ce que vous allez avoir des frais d'hôtel, etc., etc. Donc tout ça va vous permettre de réfléchir à 1. Est-ce que je me crée d'abord en micro-entreprise? Je profite de l'abattement qui est beaucoup plus simple. Je m'embête pas avec la lourdeur administrative. Je me concentre sur mon projet de façon à lancer l'opportunité de le lancer. Voilà. Parce que si vous passez trop de temps sur la partie administrative et pas assez sur votre projet, ben c'est dommage, il risque de chapeauter, les clients ne seront pas au rendez-vous. Voilà, vous n'allez pas attirer. Donc voilà, c'est une stratégie personnelle. Voilà.
Allez, moi je vous dirais, vous pourriez envisager stratégiquement de vous mettre en micro-entreprise, forfait ou réel, en fonction de la situation la plus avantageuse pour vous, et après, voilà, de basculer en fonction de vos multi-activités, plutôt sur une société SASU, si vous êtes plutôt fasciné et passionné des investissements, ou plutôt en EURL, si vous êtes plutôt intéressé par une entreprise plutôt à gestion, on va dire, entre familiale et entre sociétés. Allez, voilà pour ma part ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez mettre en place des stratégies par différentes étapes. Micro-entreprise, EIRL, régime réel simplifié, et puis après basculer sur une SASU ou une EURL. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, j'espère vous avoir aidé et que je ne vous ai surtout pas perdu. Voilà, si vous avez des éléments de réponse à nous donner vraiment en mode beaucoup plus simplifié qu'il n'y est pas, voilà, plus simple que la façon y est pas, n'hésitez pas à nous en faire part, ça pourrait porter avantage à tout le monde. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, je vous dis y est pas, osez entreprendre, mais osez bien gérer vos risques. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'une gestion optimale du risque demande de tout considérer. On peut y passer un temps à infini et prendre le risque de ne jamais se lancer, ou alors on peut y passer du temps et être capable d'être rationnel et très objectif de façon à, voilà, gagner du temps après dans l'optimisation de sa gestion et de sa stratégie de création. Allez, bah, j'en peux plus, je vais boire un peu d'eau, je n'ai plus de voix, je pense que dans quelques temps, je devrais vous laisser tranquille parce que de toute manière, je n'arriverai plus à parler. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas, à bientôt, et encore une fois, voilà, prenez soin de vous, surtout, construisez votre équilibre simplement, y est pas peut-être parfois une influence, on va dire, un peu trop, dynamique, voilà, moi j'ai une façon de faire. Et chacun a sa façon de procéder. Le but, justement, ce n'est pas de vous bousculer. Ce que j'essaie de faire, c'est plus vous accompagner, en fait, dans le déploiement de votre logique pour justement améliorer peut-être votre qualité de vie. Comment? Ben, en activant votre levier d'entreprendre. Vous n'allez pas entreprendre par rapport à l'IEPA, vous allez entreprendre par rapport à vous-même. Ce que vous êtes vous-même, apprendre à vous connaître vous-même. Si vous voulez déjà vous mettre en société anonyme, voilà, regardez votre personnalité. Est-ce que vous êtes un hyper ambitieux? Est-ce que c'est complètement rationnel? Est-ce que le CA prévisionnel que vous mettez en place, il sera complètement rationnel? Donc ça, c'est fonction de vous, de votre personnalité, et je pense que personne n'a le droit et ne peut vous dire si oui ou non vous devriez vous configurer en micro-entreprise ou en société. Il y a beaucoup, beaucoup de leviers qui font que vous allez vous diriger vers l'un plutôt que vers l'autre. Donc il faut identifier pour vous les leviers qui sont les facteurs clés de succès de votre projet et de la pérennité de votre projet. C'est un choix purement personnel et également, je dirais, stratégique, qui repose également sur votre personnalité. Et là, j'ai fini et je dis, y est pas. Voilà, je vous souhaite le meilleur encore une fois. Allez, à bientôt!